Pendant des années, j'ai cherché le meilleur système de prise de notes. J'ai rempli des cahiers que j'ai ensuite perdus, j'ai utilisé des logiciels que j'ai ensuite abandonnés, j'ai écrit dans la marge de mes livres, et finalement, comme je n'avais pas de système unique dans lequel je pouvais m'y retrouver, j'ai simplement arrêté de prendre des notes. Je lisais des trucs fascinants, des histoires géniales, des concepts que j'aurais pu réutiliser des dizaines de fois, mais je les oubliais aussitôt le livre refermé. J'oubliais des bouquins entiers, des formations complètes, des conférences qui m'avaient pourtant marqué, et j'avais l'impression de perdre mon temps. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de ce système. Dans les minutes qui suivent, je vais te présenter un système de prise de notes absolument révolutionnaire. On va filmer mon écran, je vais tout te montrer et ça va peut-être changer complètement la façon dont aujourd'hui tu lis un livre, tu suis une conférence, tu suis des cours, comment tu les intègres, comment tu les apprends et les résultats que tu peux avoir avec ça. Mais juste avant, je t'interromps parce que je suis pas un youtubeur comme les autres. La plupart de mes contenus, ils sont pas sur YouTube. La plupart de mes contenus, ils sont dans mes emails privés quotidiens. Alors si t'es pas encore inscrit à mes emails privés quotidiens, voilà tout ce que t'as raté. Un an d'email, dans ce bouquin là, il y a tous les mails que j'ai envoyés depuis un an. Ça c'est un an de travail. Tous les matins à 9h, je vais t'envoyer un email. À toi et aux 11 000 personnes qui sont inscrites aux emails privés quotidiens. Et dans ces emails, je te donne tout. Je te donne tous mes concepts, tout ce que j'ai appris en fait sur la création de contenu, sur le business en ligne, sur le marketing, sur la vente, sur la prise de notes, sur l'organisation et sur l'efficacité. C'est le premier lien en description si t'es pas encore inscrit. Et on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail et tous les jours à 9h dans ta boîte mail à partir de demain. Pendant des années, j'ai été très mauvais en prise de notes. Je savais pas prendre des notes. Il y avait des notes que j'avais sur papier, il y avait des notes que j'avais sur mon ordinateur. Elles n'étaient pas classées, j'arrêtais pas de les perdre. Et au bout d'un moment, j'ai simplement arrêté de prendre des notes. Alors moi, je suis créateur de contenu professionnel depuis 4 ans. J'ai besoin de retenir les idées. C'est-à-dire quand je lis un bouquin, j'ai besoin de pouvoir réutiliser ce que je lis, pouvoir le réutiliser dans des contenus, dans des formations un peu partout. Et là, je me retrouvais un peu coincé parce que, alors c'était peut-être déjà arrivé aussi, mais je me souvenais que j'avais appris quelque chose. Je me souvenais vaguement de ce que c'était, mais j'étais incapable de donner des précisions là-dessus. Par exemple, il y avait une anecdote avec des dates, je pouvais te rappeler l'anecdote, mais j'étais incapable de donner la date exacte ou le chiffre exact. Ou... Voilà, dès qu'il y avait de la précision, j'étais incapable de le ressortir simplement parce que je n'avais pas noté. Et donc, je me suis dit, ok Antoine, t'es créateur de contenu, tu manipules de l'information, c'est ton métier, il faut que tu aies un système de prise de notes qui marche, qui fonctionne. Et donc, j'ai cherché un logiciel de prise de notes et j'en ai trouvé un sur lequel j'ai bâti un tout nouveau système, un système que tu n'as peut-être jamais vu avant, j'en sais rien. Alors, c'est un système qui va convenir aux gens qui sont plus à l'aise avec les outils informatiques qu'avec la prise de notes papier. C'est pas un système qui peut être adapté sur le papier. C'est un système pour les gens qui sont soit étudiants, ça peut vraiment t'apporter énormément de valeur si t'es étudiant, tous les gens qui sont créateurs de contenu, les auteurs, les conférenciers, en fait tous les gens qui travaillent avec les idées et même monsieur tout le monde, même n'importe qui, si t'as simplement besoin de retenir ce que t'apprends, je sais pas, tu fais n'importe quelle profession, tu lis des bouquins sur cette profession, tu vas avoir des conférences sur cette profession, t'as besoin de retenir ce que t'apprends, cette méthode va te permettre de le faire. Et le dernier avantage de cette méthode-là, que j'ai appelé la prise de notes intelligente, c'est que ça ne te demande pas beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin, quand tu lis un livre, de surligner, de passer des heures et des heures, de revenir dessus, de prendre des notes. Non, c'est rapide, c'est simple et c'est efficace. Et tu ne vas pas avoir besoin de surligner tes bouquins parce que, sérieusement, entre toi et moi, est-ce que tu reviens souvent dans un bouquin que tu as surligné? Moi, j'en ai surligné des pages et des pages sur des bouquins. Je suis jamais revenu dessus, j'ai bien compris que c'était pas aussi efficace que cette méthode-là. Alors, cette méthode-là, elle consiste, et là, il faut vraiment bien m'écouter parce qu'il faut vraiment comprendre le concept qui est à la base de cette méthode. Cette méthode-là, elle consiste à se créer un Google personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas construire un petit moteur de recherche. Alors, t'inquiète pas, il n'y a besoin absolument pas de s'y connaître en code ou quoi que ce soit, ou en informatique, surtout pas, mais on va construire ensemble un petit moteur de recherche dans lequel tu vas pouvoir retrouver tout ce que tu as appris pendant toute ta vie. C'est-à-dire que si tu as appris, il y a 10 ans, tu as appris un truc dans un bouquin obscur avec un truc vraiment précis et tout, tu vas pouvoir, 10 ans plus tard, le retrouver en l'espace de 2 secondes, simplement en tapant quelques mots dans ton moteur de recherche. Et c'est ça en fait l'idée, c'est de se dire au lieu d'avoir des cahiers entiers remplis de notes, remplis de choses qu'on va jamais réouvrir parce que rien que les voir ça nous fait peur, on va faire en sorte que l'information soit non seulement classée, hiérarchisée, mais aussi trouvable. Et trouvable en un instant, exactement comme une recherche Google, tu vas pouvoir retrouver l'information qui est dans ton cerveau
en un instant grâce à cet outil-là. Alors, je te propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors, j'utilise un outil qui s'appelle Beer. Alors, c'est une application que tu vois ici, qui est une application pour Mac, pour iPhone, pour iPad, pour tout l'univers Apple. Si t'es pas chez Apple, pas de problème. Tu as un équivalent qui s'appelle Evernote, que tu dois bien connaître, qui est super connu aussi, dans lequel tu peux faire à peu près la même chose. Simplement, moi j'ai choisi Beer parce que je suis dans l'univers Apple et parce que je trouve ça plus élégant. Et c'est la seule raison, Evernote fonctionne aussi bien et tu peux faire la même chose. Le seul critère que tu dois prendre en compte pour choisir, pour faire le choix de cet outil, c'est est-ce que c'est un outil qui fonctionne sous forme de tag. Alors c'est quoi un tag? C'est quand tu peux ajouter des petites étiquettes. Alors souvent c'est traduit par étiquette en français. Donc par exemple, si je mets le tag, tag beer, hop, voilà, ça me rajoute un tag et ça va être classé à gauche, je vais pouvoir le retrouver. Donc il faut que ce soit classable par tag. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir le classer par tag? Parce que le problème des sous-dossiers, c'est qu'il y a des notes qui vont rentrer dans plusieurs dossiers. Par exemple, si j'ai, alors je sais pas, je vais prendre une citation par exemple. Ok, si j'ai une citation sur la persuasion, voilà, par exemple, qui vient d'un bouquin de Blair Warren qui s'appelle The One Sentence Persuasion Course. Donc j'ai une citation sur la persuasion que j'ai envie de garder. Dans quoi est-ce que je vais la classer? Est-ce que je vais la classer dans un dossier citation? Est-ce que je vais la classer dans un dossier marketing? Ou est-ce que je vais la classer dans un dossier avec le nom de l'auteur? Bah, je vais pas vraiment savoir. L'avantage des tags, c'est que tu peux classer une note dans plusieurs dossiers, dans plusieurs catégories en même temps, et donc ça te permet de te les retrouver facilement. C'est-à-dire que j'ai trois façons de retrouver cette note-là, soit en cherchant des citations, et là je vais avoir que des citations, soit en cherchant dans mon dossier marketing persuasion, donc là je vais avoir toutes mes notes que j'ai prises sur la persuasion, soit en cherchant par nom d'auteur, donc là j'ai les deux notes que j'ai prises sur cet auteur, et donc je vais pouvoir retrouver instantanément toutes les notes que j'ai prises sur cet auteur. Est-ce que tu commences à comprendre la puissance de ce système? La puissance de ce système, elle est basée sur le fait que tu peux retrouver tes notes extrêmement efficacement tout en les prenant extrêmement rapidement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dupliquer ta note en trois fois si tu veux la classer à différents endroits. Tu as simplement besoin de la taguer avec tous les tags dont tu as besoin. Donc, rapidement, je vais te montrer quels sont les principaux tags que j'utilise. C'est quoi la thématique de la note? Par exemple, une note sur l'argent, une note sur l'apprentissage, une note sur la liberté, une note sur, j'en sais rien, sur la musique. Ok. Donc ça va être les thématiques de tes notes. Un peu comme tu pourrais faire, des playlists YouTube sur différentes thématiques si tu as une chaîne YouTube. Ok, donc ça, c'est les thématiques, c'est la première catégorie de notes. La deuxième catégorie de notes, quel format? Est-ce que c'est une citation? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est, j'en sais rien, est-ce que c'est un template que je vais pouvoir utiliser, par exemple des plans de contenu, etc. Donc, on va, la deuxième façon de classer les notes, ça va être par format. Quel type de note est-ce que c'est? Et la troisième façon de classer les notes, j'utilise le tag arrobase pour ça. Et donc, avec une application comme Beer, et tu peux faire pareil avec Evernote, juste un petit peu différent, tu peux faire des sous-tags. Donc, j'utilise le tag principal arrobase et je mets un slash pour mettre le sous-tag. Et le sous-tag, ça va être le nom de l'auteur. Et là, je vais avoir les noms de tous les auteurs desquels j'ai lu et desquels j'ai pris des notes ou desquels j'ai pris des citations. Par exemple, là, on a Casey Neistat, on a des citations de Casey Neistat, etc. Ok. Donc, c'est les trois catégories de tags. Ça va être donc la thématique, le format et l'auteur. Une fois que tu as ces différents tags, tu vas pouvoir créer des tags régulièrement et tu vas aussi pouvoir créer des sous-tags. Par exemple, encre, c'est un tag format. Voilà. Donc c'est un format. Et les encres, c'est quoi? Ce que j'appelle des encres, ça va être des analogies, des études, des exemples, des exercices, des histoires, des témoignages. Bref, des choses que je vais pouvoir réutiliser. Par exemple, dans une vidéo, si j'ai besoin de trouver, une étude sur tel sujet, voilà, raison qui pousse à la chasse sur l'App Store par exemple, j'ai une note qui correspond à ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer des notes? C'est simple, tu es en train de suivre ton cours ou tu es en train de lire ton bouquin. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir une application que tu peux utiliser sur ton téléphone. Par exemple, si tu lis sur l'application Kindle, ça te permet, tu n'as même pas à changer d'outil. Tu vas directement sur l'application et tu cliques sur « Nouvelle note ». Tu vas donner un titre. Alors là, il a classé dans argent parce que j'étais dans argent, mais on peut l'enlever. Tu vas donner un titre à ta note. Alors avec Beer, c'est vraiment super bien parce que ça utilise un langage qui est un équivalent du HTML, mais en plus simple, qui s'appelle le Markdown, ce qui te permet de formater tes textes
de manière très simple. Donc là, on a les titres. Si je veux faire un sous-titre, je mets deux hashtags comme ça, ça fait un sous-titre. Et je peux comme ça, ainsi de suite, en faire plusieurs. Voilà, ça c'est un sous-sous-titre si tu veux, voilà. Ensuite, je vais mettre mon texte. Tac. Ensuite, je peux rajouter pas mal de formats différents. Alors, dans Bière, je peux ajouter à peu près tout ça comme format. Donc, je peux mettre des listes, je peux mettre des citations, je peux mettre des to-do. Par exemple, si je fais hop, ça, ça va me faire un to-do, un deuxième to-do, ok. Si je fais ça, ça va me faire une citation. Alors, je fais commande, majuscule M, hop, et ça me le surligne. Bref, je peux faire des notes assez typées. Je peux ajouter plein de choses. Bien sûr, dedans, je peux ajouter des fichiers, je peux ajouter des images, je peux ajouter des PDF, un peu comme tu vois ici. Alors ça, c'est un article que j'ai repris sur Internet. Voilà, tu as des images, tu as tout ce qu'il faut, c'est très clair, c'est très facile à lire. Ok. Donc, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas taguer ta note. Par exemple, si c'est une note sur, j'en sais rien, on va dire sur la création de vidéos sur YouTube. Je vais mettre le hashtag YouTube. Alors là, tu vois, c'est un sous-hashtag, donc plateforme/YouTube. Et c'est des notes sur une vidéo de Casey Neistat. Donc, je vais noter, je vais ajouter l'auteur, Casey Neistat. Et puis là, il y a une citation. Donc, ma citation, j'ai envie de pouvoir la retrouver facilement. Donc, je vais mettre le tag citation. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah c'est bon, j'ai plus qu'à passer à autre chose. Ma note, elle est synchronisée dans le cloud et je vais pouvoir la retrouver sur mon ordinateur, sur mon iPhone, sur mon Apple Watch même, enfin sur tout ce que j'ai, il n'y a pas de souci, en deux secondes. Je peux même prendre des notes vocales, enfin je peux faire beaucoup de choses avec ça. Et tu as vu, c'est assez rapide, c'est assez simple de faire ça. Mais vraiment, la magie qui est derrière ce système, et c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est le système de multiclassement. Parce que si je veux retrouver maintenant cette note, bah, j'ai trois façons de le faire. Soit je cherche toutes les citations, par exemple, de Casey Neistat, donc ça va être simple. Je vais aller ici, donc dans mes personnages. Je vais voir Casey Neistat. Et là, je vais retrouver ma note et puis toutes les autres notes que j'ai prises de Casey Neistat. Je peux aussi la retrouver en cherchant simplement les citations. Hop, tu vois, la note, elle est ici. Je peux aussi la retrouver en cherchant par thématique. Donc là, par exemple, cherche toutes les notes que j'ai prises sur YouTube. Ça fait que si, par exemple, je dois faire une formation sur YouTube, sur la création de contenu sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai pas besoin d'aller chercher chaque note individuellement. Je vais juste dans la sous-catégorie YouTube et j'ai toutes les notes que j'ai prises sur YouTube. Si je veux simplement retrouver cette note très spécifiquement, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement aller dans la barre de recherche et chercher un terme qui est dans la note et elle va ressortir immédiatement. Donc, ça me permet de retrouver mes notes de manière extrêmement simple, soit en passant par ma barre de recherche, le fameux Google perso, soit en passant par une catégorie, soit en passant par un auteur, soit en passant par un format. Et je n'ai jamais, depuis que j'ai mis en place ce système il y a à peu près un an et demi, deux ans, je n'ai jamais, jamais, jamais perdu une note. J'ai toujours pu retrouver mes notes au moment où j'en avais besoin. Et c'est des notes que j'utilise vraiment tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, j'ajoute des notes et tous les jours, je réutilise mes notes, que ce soit pour faire un contenu, pour faire une vidéo, pour faire un email, une formation, bien sûr. Quand j'ai besoin de faire des formations, je ne vais pas m'embêter à tout repartir de zéro. Je vais chercher toutes les notes que j'ai prises sur un sujet et ça me permet de réquisitionner pile au moment où j'en ai besoin, bah, toutes les connaissances en fait que j'ai acquises au fur et à mesure des mois et des années sur tel sujet. Donc si par exemple ton truc c'est le jardinage, tu lis plein de bouquins sur le jardinage, le jour où tu veux faire une formation sur les fleurs, voilà, bah, tu vas chercher fleurs et tu vas retrouver toutes les notes que tu as prises dans tous les bouquins que tu as lus depuis 10 ans sur les fleurs. Et ça permet de créer quelque chose de beaucoup plus riche que simplement les dernières idées qui te passent par la tête du dernier bouquin que tu as lu. Tu n'es pas obligé de sortir les dernières choses que tu as lues, tu as la capacité d'aller retrouver dans ta mémoire, parce que c'est un peu un auxiliaire si tu veux de ta mémoire, c'est un peu un aide-mémoire, de retrouver dans ton Google perso tout ce que tu as appris, y compris ce que tu as oublié depuis des années, c'est-à-dire depuis le moment où tu as mis en place ce système. Donc ce système, il est super puissant et je te conseille vraiment de le mettre en place. Alors tu peux le faire avec une application comme Beer, tu peux le faire avec Evernote, tu peux le faire avec n'importe quelle application de prise de notes qui prend en compte les tags et les sous-tags. Alors l'idée bien sûr, c'est de conserver ce système le plus longtemps possible, de l'intégrer dans ta vie, de vraiment prendre l'habitude quand tu lis un bouquin, quand tu suis une conférence, n'importe quoi, de toujours prendre des notes, d'ajouter des notes dans ta base de données régulièrement. Tu peux aussi mettre à jour tes notes, aussi revenir, ajouter des choses. Le but, c'est que ce soit vivant. C'est que tu travailles avec ça. Tu travailles avec ça tous les jours. C'est un outil qui peut complètement changer ta vie. Moi, c'est un outil qui a complètement changé la mienne.